Bon, dernier jour les gars, comment vous allez? Quel seum. Grave le seum. On dit bye bye à la villa et on va devoir tout ranger. Vas-y, viens. Oh wesh, Timothée il est là-bas. Ça va Timothée, bien dormi? Non. D'accord. Il a pas bien dormi. C'était la réponse la plus courte du monde. Quoi, Kev? So, tu gères déjà le ménage? Bah, en attendant, tout le monde se lève pour déjeuner, ouais. Oui, je vais t'aider. Je vais laver ça. Allez, on va se séparer du tout. Hein? Y'a déjà un peu qui se sépare? Ouais. Bon. Ah, parce que. Parce que là je vous ai pas expliqué mais du coup on rend la maison à 10h et après ben du coup on est en ville jusqu'à 17h ou 18h. C'est l'heure à peu près où on va aller au port. Vol à 20h. On va faire quoi pendant tout ce temps? Ouais. Bah, allez, on va se balader hein. Avec compliqué cadeau le réveil hein, pour moi. Ouais. Pour tout le monde mec, on a dormi 5h. Ah. Ça finit là-bas, je savais pas les paroles. Ah non, non plus, je suis fatigué là. C'était une suite logique. Ouais, c'était, il est où? Tu feras gaffe. On va des couilles. Où? Tu bosses? La même année. T'envoies les roches là pour faire une vidéo de Timoute? Ah oui, et t'as géré mon gosse aussi. Ça. C'est bien. Parce que j'aurais galéré à trier moi. Gros bout de pastèque, je sais pas si on va pouvoir tout manger. Il reste la moitié. Si. Oh, vrai. Si. 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 Après, il reste quoi? Il reste 3 paquets de principes. On va pouvoir tout manger. Bah, les princes, ça, ouais, tu peux les embarquer dans un sac. La pastèque, tu peux pas l'embarquer dans un sac. Ah oui. Écoute le bruit quand je la pose. Ça approche. Genre, là, il y a au moins 5 kilos, parce qu'il faisait 10 kilos, cher. Hein? Mais t'es con avec Kesté. Pourquoi? Il s'est couché à 3h du mat. On était en train de se dire avec Mich que. Il allait faire une strat, genre se lever à 9h45 pour rien débarrasser. Mais Stéban? Comment je vois tu fais? Non, mais c'est que c'est ça, c'est des gros chiens. Ouais, de ouf. Il n'y a pas la même ambiance qu'hier. Non, ce matin. Il n'y a pas la même ambiance que n'importe quel jour. Après, on a passé une semaine incroyable donc. Bah oui. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Mais du coup, il s'est arraché un. Ouais, une beauté, frère. Tu t'es. Arraché en mode tu l'as fessé. Il existe plus. En gros, je t'explique. Il a un gros trou comme ça, mais montre-lui ton trou. C'est où? Ah, c'est où? Ah, ça a peut-être fait une croûte, non? Ça a fait une croûte, ouais. Ah, ouais, c'est en train de voir une croûte. Bon, bah, c'est bon. Là. Il est en train de repousser. Oui, tu sais que ça repousse? Hein? Premier degré? Ah, si, ça repousse. On a regardé ça sur internet. On a été choqué. Ça repousse. Oh, Yoko. Pourquoi t'as habillé en pneu? Ah, la ref. J'ai la ref, ouais, j'ai la ref. T'as la ref? Ouais, ça va. Je n'ai pas. Parce que le Jeep il avait des pneus Yoko. C'est un peu changé pour la route. J'avais trop chaud. Ok, ici c'est fait pour Timoute. C'est bon, t'es prêt? La valise, le sac. Il dirait que t'es bourré. T'es prêt à perdre ta valise? Ouais. La salle de bain, on a rien oublié. On refait un petit tour, hein. T'es prêt, Sly? Tout est prêt, moi. Si t'es prêt. Hey, j'ai fait une story en mode, ouais, les gars, j'adore Chicoli, comment on soigne. Ouais. Et une meuf, elle m'a répondu, faut acheter un sort de truc en pharmacie. Un sort de truc? Ouais. Il m'énerve, faut acheter une minerve. Sur les derniers détails, pour tout ranger, même les buts. Stéban, il avait sorti les buts. We can go, or we wait check out. Okay. It's not you for checkout. Puedo llamar a Carolina o Nico. Ok. Ok. Faut voir avec Carolina ou Nico. Ouais, bah moi je connais que Frédérico donc. Ouais. Bah en fait, c'est, il faut attendre quelqu'un. Ça se trouve, attends, il s'appelle Nico et il dit Frédérico pour, juste pour, faire pour le style. Et puis, Il répond pas? Il répond pas, je crois, il dort. Hein. Non mais tu rigoles, mais imagine. Frédérico, on t'attend, Frédérico. Tu l'as vraiment envoyé ça?
Nico, le check-out. C'est qui? C'est Nico. C'est Nico? Parce que Nico, je le connais à peu. Et Nico, il est pas là. Bah, on s'est fait Nico. Fait chier. Pas mal celle-là. Pas mal. Tu sais que ta valise a pris tout le coffre? Bah ouais, ma valise en fait elle est un peu gigantesque. Du coup il l'a pas mis, il l'a enlevé pour pouvoir mettre les autres. Ah ouais, on t'a pas dit on laisse cette valise là parce qu'elle est trop grande, pour pas la mettre dans la voiture. Bah, du coup on fait comment? On la laisse ici. Et juste voilà. Deux caméras, 6 GoPro. Pense ouais, là je veux pas être le mec qui monte dans le coffre. Pas moi. Chapeau c'est pas moi. Chapeau c'est pas moi. Chapeau c'est pas moi. Ah c'est lui. C'est toi. C'est Stéphane. C'est Stéphane. Bon, la voiture est chargée. On peut dire adieu à la villa, on y va. On dit adieu à la villa. Au revoir la villa. On était bien de ouf. J'ai kiffé. Merci Mich pour ce séjour. Y'a pas de problème mon gars. Là en vrai j'ai kiffé de ouf. C'est moi ça. C'est un mat Kev. Moi je veux bien aller là-bas. J'ai aucune idée. J'avoue que là on va faire quoi pendant 10 heures. Bah en vrai Moi à la plage, vous voulez quoi la plage? Ah moi je suis chaud à la crique. À la crique. On est allé 0 fois dans une crique alors qu'à Ibiza frère il y en a des trucs, il y a des trucs de ouf. Wago. J'ai un collègue qui m'a dit qu'il y avait une plage de fou là, la meilleure plage apparemment d'Ibiza parce que lui il y a été pendant 10 ans. Qui connaît? Ouais, il doit connaître de ouf. Il a été tous les ans en vacances pendant 10 ans ici. Et j'ai vu les photos, la plage est incroyable. Wago. Mais ça va être les plages ou crique? Moi la crique. Les gars, Esteban force à lui parce que il a toutes les valises qui lui montent dessus. Moi je suis. Il faut qu'on mange. Je suis chaud, crique. Ah ouais, après, ah non, là, dernier McDo. Ce midi, vous voulez pas aller au McDo? Dernier McDo. Ouais, vas-y. Yeah. Les gars, on est en Espagne, on peut faire des tapas et tout et on se dit ouais, McDo. Putain, on est vraiment des honteux. Mais en même temps, ils sont trop forts. Parce que BK et McDo, ils sont incroyables ici. Trop, trop forts. Mais vraiment. Pour moi, le BK. Mais le McDo, il m'a convaincu. On a pas les clés du portail. Oh putain. Mais il va s'ouvrir. Tu dis ses amours, Breton, il va s'ouvrir. Je crois que Mich nous a fait sortir. Il est en train de fermer la porte et il doit arriver avant qu'elle se ferme. Mais tu croyais vraiment que ça allait passer? Et tu aurais pas pu le bloquer. Bah non, tu croyais vraiment que ça allait passer? Je me suis lancé jamais. Mais t'as pas, c'est le seul moyen. Ah ouais? Les cliquets, elle reste ici. Ah merde. Et la femme de ménage, elle comprenait pas. Mais frère, bon, allez, on part. Des capteurs, t'avais juste à mettre le pied. On est d'accord. C'est vrai? Mais oui. Mais oui. T'es un enculé. Ah mais moi je savais pas. T'as mis la cam, la porte elle s'est arrêtée. Bah allez go. Eh toi tu te calmes parce que je vais te caler. Ouais, t'as la chance qu'il a un torticolis sinon il t'aurait mis une pastèque. T'as la chance que t'as un torticolis sinon je t'aurais mis une pastèque. Non mais lui il t'aurait mis une pastèque. Non c'est pas. Allez. Pastèque. On va se baigner. Là toi tu vas t'aider. Et en fait les frérots, on le dit pas assez, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Peeware si vous avez kiffé, suivre les vlogs. Il va sortir des prochaines vidéos bientôt, là il va recharbonner. C'est pareil, des petits pouces bleus, ça fait plaisir, ça aide. Merci le frérot, sérieux. Merci à ceux les gars, je suis sérieux quand je dis ça, je suis très très sérieux. Le boss. Il est sérieux. Hein. Il est sérieux. au moins 100 000 abonnés. C'est beaucoup. En plus, ouais. C'est beaucoup. Ils peuvent le faire. C'est beaucoup. Tente. Ouais, tout le monde s'abonne les gars. Allez, go. Allez. Oh putain. C'est la mère. C'est la mère à qui? C'est la mère Michel. Oh la dinguerie. C'est trop beau hein. C'est flop. C'est la mère. Ouais. C'est clairement un flop. Oh. Putain, elle est trop belle. Trop belle la mère. J'adore. La vie est trop belle. T'es trop belle. C'est toi ma vie. Wow. Wow. Il y a un décor de cinéma. Dinguerie. Oh là 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 là. C'est pourquoi on vient ici le dernier jour? Bah pour profiter le dernier jour. J'ai plus envie de partir là. Au moins mec, tu vas te dire ton dernier jour tu l'auras profité à fond. Ouais mais j'ai plus envie de partir. Bonne chance à tout le monde pour le retour. Bon ça va aller, on sera frais. T'inquiète. Oh. Eh on est frais pour descendre mais on sera encore plus frais pour remonter. Si on aurait été dans l'eau. Eh mais en fait les gars, il y a un chemin là. Là. C'est un chemin hein. Ça évitera de se faire écraser. Oh là 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 là! Il y a un décor de carte postale. Oh l'eau, elle est trop belle! Mec, c'est magnifique! Mec, c'est. J'ai jamais vu une eau aussi belle. Non, mais c'est clair que pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai. Là, on est tous rochers, moi. Oh! Il y a rien en dessous! Moi, je me casse, attends! J'ai peur du vide. Non, c'est faux. Oh! C'est le plus beau décor que j'ai jamais vu. Eh les gars, faut absolument qu'on aille se baigner là. T'es fait piquer par quoi? Non. Attends quoi, il s'est fait piquer par quoi? Une anguille. Mais y a pas d'anguille. Aïe. Et moi je suis tout rouge. On est allé là où l'eau elle est méga bleue. Ouais. On arrive, on se dit ah trop d'art, elle est trop bien. Et la vie, ma jambe gros, ça
En fait, je sais pas si c'est une méduse ou quoi. Ça fait piquer où? Mais ça se voit, hein. Oui, ouais, ça se voit ici. C'est carrément rouge. Et même au pied, là, regarde là. Mais je l'ai senti de ouf. En fait, je sais pas c'est quoi. J'ai rien senti sur ma jambe, mais j'ai senti ma jambe, elle faisait zzzz. Enfin, genre, c'est pas, ça fait pas électricité, mais ça m'a arraché en fait, ça m'a piqué. Si c'est fait piquer par une méduse, on va être obligé de pisser dessus. Hein? Mais c'est une connerie ça. Ah ouais? Mais oui, c'est une connerie. Ah, mais c'est chaud, j'ai plein de petits boutons. Gamme. Là, ouais, c'est chaud. Ah, ça m'a niqué de ouf. Là, on allait être trop bien. Ouais. Et ceux qui sont en bateau et qui se baignent, ils ont rien? Bah, ouais, c'est vrai, hein. Non mais moi je vais, hé, vous rentrez tranquille, je vais tailler avec Mich. En fait là, j'ai la, les endroits où ça m'a touché, ça m'arrache. Ouais. Mais en toi, je pense qu'il y a moins que une méduse, non? Méduse, bah méduse, faut faire gaffe, quand même. Pourquoi? Il va y avoir quoi? Bah ça dépend de la méduse qui t'a piqué, qui t'a piqué et tout. Hein. T'as des genres de plaques vraiment. Et ouais, en fait ça fait comme effet ortie. Ça fait raison. Comme les orties. Oui voilà. C'est même... Mais par contre ça arrache beaucoup plus. Ouais ouais ouais. Honnêtement ça arrache deux fois comme ça. Putain, mais c'est quoi ce voyage là? Quand on arrive dans un endroit méga stylé, il faut que ça se passe mal. Oui. Alors qu'il y a plein de gens qui se baignent. Mais ouais, c'est ça le pire. Mais en fait, je pense que c'est des trucs cachés dans les algues. Hein. Putain. Ouais, il y a moyen. Parce que eux où ils sont, il n'y a pas d'algues. Ouais, comme nous on a traversé les algues, si ça se trouve, il y a un truc qui m'a suivi. C'est sûr, hein. Il y a un truc où t'as dû toucher des algues. Le petit truc, il s'est dit, oh, il est en train de me niquer. Ouais, peut-être. Et je dois le niquer. Putain, en plus, c'est pas comme si on était à côté, quoi. Ouais, voilà. T'as moi avec les tics ça et tout frère. J'avoue toi niveau bestiole ici t'es pas bien servi. Hein. Oh, pourquoi t'as avec leur méga go. Oh ouais. Prends McDo. Je propose ouais, qu'on décale à McDo les gars. Ouais, on décale à McDo. Moi je suis grave chaud. Grave chaud. Et Timou tu vas faire sa première dégustation de McDo. J'ai le verre la première fois. Découvrir. Ta première fois en Espagne. Tu sais qu'il y a Frichedar. Un McDo Espagne. C'est incroyable. On peut aller à Burger King pour les boissons et McDo pour les burgers. Bah, non. Ah oh, mais il y a KFC en vrai hein. Je suis, ah, en vrai je suis un peu d'accord. Moi KFC je kiffe. KFC je kiffe de ouf et j'aurais bien aimé découvrir à quoi. Il a trop. Bah allez on décale. Je regardais son globo. Merci Michou. Frérot c'est un parchemin écoute-moi. Un parchemin. C'est on a fait des courses là où il commande McDo. C'est peut-être pour trouver un trésor, mec. Regarde, il tombe. C'est tout blanc qui tombe. Eh, c'est quoi ça? Eh, fais-nous un update. Fais-nous un update de ton... Ah, tu veux un update? La méduse. Oh! Bah ça va. Ouais, c'est parti. Ah, t'as presque plus rien. Hein. C'est vraiment super. C'est encore un peu dur. Ça, c'est le bisou magique, ça. Ouais. C'est vrai que tu lui as fait un bisou magique. C'est pas vrai, il n'y a pas eu de bisou magique. Oh, le menteur. Elsa, si tu regardes cette vidéo, sois rassuré. Il ment. Bien. J'ai l'impression qu'on va se péter le bide mon gars. Pas que le bide, parce que moi je vais péter dessus. 4 plateaux. Quoi? 4 plateaux pour 6. C'est pas un peu abusé? Attends, on va se repositionner exactement pareil. Ouais. Sauf que cette fois-ci à Timout. Une semaine après, il y a Timout. Grand Mac extrême. Ouais, pourquoi tu m'as regardé comme ça, Slide? Fromage, là. Ah, c'est pas moi, frère. Ah, mais ça, non, ça c'est Kev et ST, je crois. Ah. Alors là, j'ai pas mes potes de toast. C'est ton Apple Pie. Hey, mais les trucs ils sont mal mis. Bon regarde le steak qui passe. Bon appétit. Timout, là tu vas découvrir une dinguerie. Mais, mais attends, surtout qu'ils savent pas faire des burgers bien. Non, mais ils sont bons. T'es mal à la gueule du burger, frère. Mais il est à l'envers. Mais oh, j'ai pas demandé un. Tu regardes, hey, ça là, ton bacon. J'ai pas demandé un chapeau, ton j'ai bacon, demandé un burger. Il vaut le même prix que mon burger, je suis choqué. Allez, déguste. Ok, je crois que j'ai trouvé l'endroit propice pour lâcher un croc. Genre là. Oh, ça a l'air d'être grave validé là. Ah, j'ai de ouf, ouais. En deux mots, incroyablement bon. Oh, oh, ça fait trois mots. Moi, je vais goûter merci. L'American incroyable, American style. Et bon. Oh là là, oh le burger. Oh le burger. Et l'American style, il est incroyable. C'est quoi, c'est fromage, chicken, fromage, salade. Poulet, salade et moutarde miel. Et la sauce? Moutarde miel. Moutarde miel. Oh, oh. En vrai, le miel quand c'est mis dans de la sauce, c'est trop bon. Il y a que du fromage. Il a l'air trop bon. C'est quoi que t'as pris? Un mac extrême. C'est un mac raclette. Un mac raclette. Oh le crodou, il l'a attaqué. Bon, Slide, t'avais pas faim. Tu l'as bien attaqué. Petit bacon au fond. C'est bien, Slide, je suis fier de toi. Merci.
Là, j'ai un croc de baiser. Lui, il est dans son meilleur moment du voyage. Là. Regarde, Modiastic juste ici, les steaks, ça a de sauce. Il me tue, Timout, il analyse les meilleurs endroits. Ouais. Mais oui, il faut taper les meilleurs crocs. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors, oh, les chicken McBeat. Vas-y, goûte. Oh, les chicken McBeat. Moi, j'ai déjà goûté, j'aime bien. Mais je sais pas trop. C'est quoi ça, Timout? Oh, trop bon. Je sais pas trop dire à c'est chicken de... McBeat. Mais c'est quoi? Je sais pas. C'est bon. À mon avis, c'est boule de fromage. Ça mélange de pommes dauphine et de fromage. Ouais. Ça mélange de pommes dauphine et non, de fromage. Non, c'est carrément du poulet pané. Ouais, c'est du poulet. Ah ouais? Bah oui. Ah ouais? Ouais. Alors c'est bon, mais du coup, faut manger avec de la sauce. Chacun veut goûter? Non. Et là, il va dire ah ouais, c'est sans le poulet. Ah ouais, moi j'aime bien les bites. Wow. Ouais, c'est bon. Carrément à la pompe à essence. Avant de rendre la chop. Je sais pas si on va avoir le temps de la laver. Il est déjà 17h. Merci. La clim a fait du bien. On va être en retard. Pour la voiture. Dans la voiture, on est déjà en retard, mais en vrai, c'est pas si grave. Hein? Ça prend une bouteille. Ah ouais. Oh, c'est pas la même. Non. On va goûter une nouvelle. Ça sent la fin là. Ça sent quoi? Ça sent la fin. On vient mettre de l'essence. On va aller la laver? Bah ouais, j'aimerais bien. Bah en fait là on va à l'aéroport. Oh, merci. Hein. Ouais. On la lave pas? Bah on sait pas trop. En fait on va faire tellement de temps à la laver autant qu'il fasse. Ok, carrément en train de rendre la voiture. Attends. Les gars, oh là là, mais j'avoue, y'a tout le monde Insta sur la voiture. Y'a tout le monde Insta. Tu vois, elle va bien prendre ton Instagram. Elle va là. Nous ajouter. Elle va t'envoyer un petit message. It's good? Oui, c'est bon. Fini. Ok. C'est tout bon? Ouais. Incroyable. Gracias. À Paris. On a bien fait de pas la. Bye bye. Ouais, bon, tu vas recevoir une facture à la maison, mais ça va le faire. Non, elle a dit que c'était. Je pense que c'est inclus en fait. Ok. Voilà, elle a dit que c'était fine. C'est à qui ça? Regarde dans quel état. On a rendu la chop. Il y a tous nos Insta dessus, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu vois, il n'y a plus rien dedans. On lui rend comme ça, non, elle dit. Okay. Oh non, là dans la pochette, j'ai mes batteries. T'as oui, il va demander les clés, c'est ouvert non? C'était. Mec, il y avait mon passeport dedans. Oh. C'est toi qui parles. C'est le mec qui est resté en France qui parle. Mais t'as les essais, qu'est-ce que tu parles? C'est parti mon kiki. Là on part clairement pour glander quelques heures dans l'aéroport, c'est ça? Il y a écrit annulé. Hein. Let's go. Non. Il est annulé le vol. One more body. Quoi? Let's go. Quoi? Ça me fait chier. Bonjour Pierre, nous sommes désolés de vous informer. Est annulé pour raison opérationnelle. Mais frère, ça veut dire que là ils ont annulé le vol et que surtout ils vont pas me rembourser. Mais non. Mais j'ai pas pris d'assurance de vol. Normalement, ah là, si c'est eux. Obligés, non, si c'est eux qui annulent, ils te remboursent. Si c'est eux qui ont annulé, ils sont obligés. En vrai, les gars, là, il y a plus qu'un avion qui va à Paris. Il est à 19h30. Eh, mais c'est quoi ce bordel? C'est abusé le karma négatif qu'on a. Paris-Orly à 20h45. Eh, on a un karma plus que négatif. Cancelado. Non, mais le pire, c'est que. Les gars, on reste à Ibiza. On est arrivé, on voit un truc cancelado, on dit eh, imaginez, c'est notre vol. Et en fait, c'est le nôtre. Tu vois, regarde, vous avez rigolé en arrivant sur ça. Pourquoi il est annulé? Je même pas pour l'annuler. Mais t'es content, tu rentres pas chez toi? Mais maintenant, faut voir. Bah, on va prendre un autre vol. C'est pas grave, mais franchement, on a eu pas mal de couilles, c'est un truc de ouf. En vrai, on en rigole parce que ça sera des souvenirs, mais c'est chiant. C'est trop chiant. Genre, on est tous avec le sourire. Mais alors, non, mais toi, t'es content là, pour ton vlog, c'est trop bien et tout. Ah ouais, j'ai mon titre là. Petite merde. Notre vol est annulé. Oh! Oh là, depuis 13 ans, il n'y a plus de vol. Non, mais depuis 2 jours, en fait. À la base, ce soir. Depuis 2 jours, c'est la merde. Hier, il n'y avait pas de Transavia, aujourd'hui, on n'a pas eu. C'est une catastrophe, les gars. Mec, il nous arrive que des galères. Et la tête de Wam. On a dit que c'était le pire truc qu'on pourrait arriver avec Timout. Là, c'est encore pire. En fait, il n'y a personne qui rentre. Qui a dit qu'on partait pas ce soir? Les gars, Non. Tout le monde qui a dit, je le sens pas. Tout le monde. Je vais être à Paris demain matin, j'ai pas le choix. Non, on a pas. Ouais, en fait, c'était un statut. Je suis pas
a un rendez-vous de ouf. T'as putain de pire de karma là. Barcelone. Ça marche pas Paris ou un truc genre. Je pense qu'il va pas faire ça. Moi je crois qu'on va aller en Espagne et rentrer en voiture. Quoi? En Espagne et rentrer en voiture? Gros, je dois être à Paris demain. Moi j'ai pas. Mais non, mec, même en voiture, tu seras jamais à Paris demain. Attends, mais non, ça va, il y a 12 heures de bagnole. Attends, le vlog il va continuer un jour de plus du coup, non? Ah, t'es content toi? Non, 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 c'est eux qui vont être contents. Le vlog, il y a encore un vlog. Non, toi, t'es encore plus content, toi. Bah, moi, il va falloir que je recharge les batteries là. T'as prié pour que notre vol. Franchement, j'ai prié pour que tu restes, mais pas qu'on reste tous. Hein? J'ai pas compris. Non, je dis rien. On a eu toutes les galères possibles. Impossible de faire pire, frère. La valise, la carte d'identité, le vol annulé. Mich. C'est Slidada. En plus, c'est sûr, eux, ils font pas. On attend quoi là? En fait, là, je vais essayer de prendre des nouvelles places, mais eux, c'est sûr, ils font pas et ils vont même pas essayer de comprendre. Mais là, c'est. Elle a dit jusqu'à jeudi, y a rien. Genre. Non, mais. En fait, c'est avec Transavia qu'y a rien. Transavia, y a rien. Et là, c'est une avec d'autres compagnies, oui. Regarde en ligne. Mais là, c'est pour déposer les bagages, non? Regardez en ligne, c'est bien, mais frère, si en ligne ils nous disent qu'on peut acheter nos billets et qu'au final c'est annulé. Ouais. Regarde. Là, c'est pour déposer les bagages. Ouais, mais si logiquement le mec il est gentil, qu'il est pas bête, il va te conseiller. Il va me conseiller. Oh, là-bas, ouais. À gauche. Voilà. Yeah, ok. It's possible to take place. Dubai. Yes, Dubai. Because. No, you have your boarding pass? No. Because I have we have airplane to 20 o'clock. Attendez quoi? Mon passeport. Frérot, elle a dit give me your passport. Je sais pas si elle va nous aider. Bah, en tant que. En situation de catastrophe. Transavia. It's for retake place. On va là-bas et on peut acheter des places. Bah, je sais pas. Je crois qu'elle veut juste nous cacher. On va les couilles. Yeah. C'est ta ghost. Elle sait même pas ce que je veux, mais elle est en train d'essayer de régler. Oui, elle a capté que c'était pour les vols de France. Oui, mais elle a pas capté que je veux racheter des billets. Ah ouais. What? Six. Ok. Ok, thank you. Bon, bah, faut aller à un autre endroit et je fais pétard. Faut aller où? Ils aiment trop nous faire jongler. Non, mais ça, c'est le résumé de Ibiza. Non, mais Ibiza, c'est un malade. Allez, let's go! On tourne en rond, allez c'est parti. Non, on a rien trouvé, comme d'hab. Heureusement qu'on n'a pas pris nos billets de train, nous. Toi t'as pris un avion de Paris à Paris-Nice, ouais. Demain matin. Et t'as pris l'assurance à l'annulation? Je crois pas. J'ai payé une blinde en plus. Ouais. Troisième guichet. We want to know if it's possible to take place for the airplane at... Il est à quelle heure? 19. Il n'y a plus de place. Putain, il n'y a plus de place. Non, mais tu sais qu'avant même qu'on parte à Ibiza, je l'avais dit. J'avais dit, le voyage à Ibiza, je le sens pas. Mais tu sais que c'est annoncé à la télé depuis deux jours que tous les vols sont annulés et comme on regarde pas la télé, on l'a pas su. Alors la technique de ouf, on est carrément dans l'aéroport. En train de charger, on taxe le jus pour pouvoir continuer le vlog parce que j'ai plus de batterie les gars. Donc on va rester un petit peu pour récupérer un peu de batterie. Donc là Ibiza Barcelone et je crois on va rouler de nuit. Hein. On est quatre chauffeurs donc il y a bah on conduit tous hein, sauf toi. Sur une cité espagnole, je vais casser ma tête. Oh ça marche pas. Bon bah voilà. Nous on vous laisse retourner au truc mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste ici pour guetter les batteries. Hein. Parce que sinon on va se retrouver sans batterie, sans tel, sans caméra, sans rien. Ça va être la merde. Non frère, c'est possible. T'as trouvé quoi là? J'ai trouvé des vols mais à 10 euros gros. Je vais payer. À mon avis, 10 euros ça rembourse même pas l'essence. Ouais, pour ce prix là mon gars. Il y a un problème. Pour ce prix là, je suis pas serein sur l'avion qu'on va trouver. Le truc, l'avion ça va être un avion au bois. J'ai pris les places pour Ushuaïa, c'est bon. Let's go! Il faut pousser l'avion au décollage. Oui, et il faut pédaler pendant tout le vol. Il est en panne. Il faut pédaler pendant tout le vol. Les gars, c'est bon. J'ai ramené les pinces, non, je vais les ramener, c'est bon. Et une petite panne. On est vraiment dans une galère là. Je pense que c'est une des plus grosses galères du coup. En vrai. Pire que celle de Timothy. Ouais bah non lui il a eu la même galère. Il a gros seum. Il avait pris des billets de train, il peut pas les annuler. En vrai c'est pire que parce qu'il était tout seul. Là on est tous ensemble. Là j'ai dépensé 600 balles de train dans le vide. 600 balles de train. Bah au total avec l'hôtel et les Uber ouais. On est ensemble mon rêve, pareil parce que je suis à 500. Envoyez-lui de la force sur sa chaîne YouTube au minimum pour essayer de rembourser. Mais bon à mon avis ça va être chaud hein. Non, envoyez-lui de la force sur YouTube pour qu'il rembourse.
on se console comme on peut. Hein. Il y a mon Insta, mon TikTok aussi. Il y a tout, hein, les gars. Non, en vrai, abonnez-vous à toute l'équipe. Hein. Vous les retrouvez sur Insta, vous les retrouvez sur YouTube. Ouais, surtout Mich. En vrai, il débute et tout. Ça me fait plaisir de l'aider un peu. C'est vrai qu'il débute. Hein. Alors, est-ce que tu dois prendre deux vols? T'as trouvé? Ouais, là j'ai un bail pour aller à Barcelone. Et après là-bas il faut prendre. Il faut que je comprenne comment on peut mettre un truc en cabine. Mais le pire c'est que c'est pas un vol de dernière minute qu'on prend. C'est 6 vols de dernière minute qu'on prend. Ouais, c'est pas vrai. C'est 6 places dans un avion. Barcellone, tu peux aller souvent. Frère, tu sais, jamais là-bas. Tu sais, c'est combien là? Non. 300 balles par personne. Ah, arrête. Tout à l'heure c'était 10 balles. Non, mais en fait 10 balles ça va rien avoir. 10 balles c'était l'assurance. C'était juste pour une valise. Ouais, 10 balles c'était la bouteille d'eau. Attends, il n'y a plus que 5 places. Il y a le truc pour prendre les places. Ouais. Sauf que tout est pris. Et là, il y a tout le monde sauf toi. Et toi, t'as pas sauf de place. Sauf quoi? Bah alors, si ah tu voulais pas dire, je voulais que je reste d'ici. Non, par contre, si vous me laissez là, je suis dans c'est une merde. Sin asiento, je crois que ça veut dire sans siège. Tu restes debout. Tu vas dans les toilettes. Et du coup, je crois que t'aurais une place, mais sans siège. Mais ouais, je fais comment parce que ça? J'ai une place quand même. Je comprends pas. Oui, je crois que oui. C'est au cas où il y a un désistement, je crois, non? C'est pas un truc du bail? Mais ici, y a pas de désistement. Ah bah, il reste ici. Non. Ah bah si. Non. Frère, moi, je dois être à Paris demain. Et moi, dire, je moi peux c'est pas... chacun sa peau. Je là. Peux pas rester. Je dois ici. Être à Paris demain, j'ai l'avion. Demain matin. Non mais les gars, je peux pas rester ici, c'est impossible. Je sais pas parler anglais, mec, je sais pas parler espagnol. Écoute, c'est le plus grand karma de toute l'année. J'avais de la vie, je reste ici. J'avais de la vie, vous me laissez là. Ah, je te laisse pas là. Je te laisse pas là moi. Ça se passe en France. Toi, tu me serais laissé tout seul, moi je te laisse pas là. À tout moment, le test de Kev, il est pas bon. Et il est obligé de rester là. T'es une merde. T'es horrible. Il manque une place, t'es en train de me dire. Il manque une place. Y'a pas un autre vol Barcelone? J'ai pas ma place. C'est bizarre parce que je peux prendre 6 places. Bilbao, Paris. Donc là, 10h15. 9h26 pour 9h de route. 9h de bagnole. 9h de route. De Barcelone? Barcelone à Paris. Au moins, tu payes pas l'hôtel. Hein. Ah, on peut prendre un vol pour ailleurs? Oui. Et t'auras peut-être un siège du coup. Eh, mais du coup, pourquoi on prend pas un vol pour la Belgique par exemple? Ou Bordeaux. Ah oui, il faut prendre un vol pour une ville. Eh, venez, on va tous à Nice. Ibiza. Oh, vous venez? Je vous invite, hein. Ibiza Nice, on est moins cher, bordel. Ah bah voilà, c'est câble. Voilà, ça se règle un peu dans notre galère. C'est moins connu, je pense, que Barcelone, donc... Non. Ouais, hey, tu sais que toutes les places... En gros, je vais payer 22 balles parce que j'ai trop le seum d'être tout seul. Mais là, vous êtes tous à un endroit. Sauf et toi. Moi, je suis tout seul là. Mais c'est bon, je viens avec vous. En plus, on est en Space Plus. Bilbao, au final. Bilbao, Bilbao. C'est où? En Espagne. En Espagne. En haut ou en bas? En vrai, je suis en jamais allé en Espagne. Tout en haut de l'Espagne, c'est collé à la France. Il y a une heure de route de moins que si on a. Moi, je suis jamais allé, donc je suis content. Même moi. Et dans notre malheur, on arrive à s'y retrouver un peu. Et après, frérot, tu payes l'avion ou pas? Par contre, faut se faire rembourser. Hein. 1100 euros. Et je crois que. C'est bon pour les billets, Mich? Je suis en train de gérer, normalement, c'est bon. Ok, Bilbao. Et toi, tu cherches quoi, Simout? La loc de la voiture? Ouais, je cherche. Bah là, on a quoi? C'est une blanche. Combien? C'est 1000 balles, la loc. Et dis-toi. 1000 euros? Ouais, c'est 800, entre 800 et 1000. 1000 euros les billets? Sauf qu'il n'y a pas de voiture avec 6 places et 6 bagages. 0 voiture, 6 places. Mais 7 places ou 8, parce que c'est vrai que en fait. Je mets au max. Ouais, parce que là, non. En fait, on va arriver à 23h et 23h, les locations de voiture ça ferme. Du coup, on est obligé de regarder maintenant pour prendre une location de voiture à 6 places pour remonter de Bilbao à Paris. L'enregistrement a bien été réalisé. Let's go! On va à Bilbao! Bilbao! Hey, nouveau vlog, une semaine. J'ai pris dimanche prochain. Ah, non! C'est faux! Oh putain! Oh putain, j'ai trop peur! J'ai tellement peur! Hey, non, mais t'aurais pu m'avoir, hein. J'ai cru. Imagine. Il y a des vols Bilbao Paris, mais je sais pas à quelle heure. C'est-à-dire, demain, on va arriver à Paris, je serai mort. J'ai plein de trucs à faire. Ça va, ça veut dire que je vais arriver à Nice. J'ai trop de nez, mon ref. Bon, un peu. Là, vraiment. Oh, oh, vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Oh, mais t'es crade de fou. Même Timothy, tu l'aurais pas fait. Non, non, jamais. Bye bye, petite valise, j'espère que je te retrouverai. T'as les embarquements de tout le monde. Je vous ai tout envoyé sur Insta. Ok. Par contre, les gars, j'espère vraiment que je la revois, ma valise.
Inch'Allah. Au pire, ça fera une valise en moins dans la voiture. C'est là les drôles. Le masque est obligatoire dans le truc? Il existe pas? Je pense pas, non. Masque, etc. On a quoi comme voiture du coup? On a une Seat Leon, un truc comme ça. 5 places? Ouais, 5 places. Là, il part en avion le lendemain. Ouais. Je reste à Bilbao. On t'abandonne. Bon, ben, je vais visiter Bilbao tout seul. Hein. C'est un beau nom, Bilbao. Ouais. En vrai. Jamais vu. Bah, moi non plus. Bon, bah, go embarquer les valises. Et... Bilbao, bébé. On a le seum. On a trop le seum. Oh, j'ai le seum de la Bilbao en vrai. Les gars, je vais dire ça, mais j'ai le seum à l'air. Normalement, c'est une destination. T'es en mode, on va à Bilbao. Là, j'ai la haine. Voilà. J'ai le seum. J'ai dégoûté pour tes billets de train, lui. Alors, t'avais été refoulé? Ouais, pour une crème solaire. Mais non. Il casse les couilles. Et tu t'as dû l'acheter? Bah ouais. Moi, j'avais été refoulé, j'avais oublié mon PC, j'étais dans cette valise-là, j'ai pas sorti. Pourtant, j'avais tout sorti, hein, les GoPro et tout, j'avais tout sorti, micro. J'ai pris gros, j'en peux plus. Alors, l'avion, il a 1h30 de retard. Au lieu de 21h25, ils mettent estimé en plus, hein. Donc on sait même pas si c'est vrai, 23h. J'ai l'impression d'être à l'aéroport, ça fait 4 jours. Tu vas aller mourir. Et toi, en plus, t'as des... Parce que moi, maintenant, moi, je vais à Bilbao, mais je dois rentrer à Nice, moi. Enfin, à Paris. Ouais, et du coup, tu fais... Du coup, il y a une escale Bilbao-Madrid, Madrid-Nice. Et t'as le seum. Non, mais le pire, là, ça rajoute 1000 galères. Hein. La voiture de location, normalement, c'est 23h30 qu'on la récupère. Donc là, je sais même pas si on va pouvoir la récupérer. Timout, il avait un train demain à 10h. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'on parte à minuit max de Bilbao. Mec, c'est nerveux, je rigole de nervosité, mais... Moi, j'ai failli prendre les billets de train, j'ai bien fait de pas les prendre. Cool, non, bah, je crois que je vais attendre la dernière. On va dormir à Paris. Hein. Non, on va pas dormir à Paris, en fait, on va dormir où? À Bilbao. On va tous dormir à Bilbao. Let's dans ton hôtel. Oula. Dans ta chambre. Mamie. Là, vous avez écrit 23h30. Oh non. On est où nous? 23h10. 10 minutes de retard en plus. Et ça allez, veut dire... ça va être quoi après? Ça continue à avancer, frère. Le ça va être quoi après? Ça va être minuit. J'ai trop la. Mais j'ai la haine, mais... j'ai la haine, mais en point. Et ben le retard a augmenté. Voilà. 10 minutes. En vrai, j'arrive pas à voir, mais ouais. Donc parfait. Bah super. On est passé de 23h à 23h10. Je crois que j'ai rarement été aussi dépité de ma vie. Bah le truc c'est. En fait, le truc c'est que tu sais que t'as des projets pour demain. Genre, ouais, en fait, demain j'ai masse trucs à faire. Et si je suis fatigué, bah c'est relou. Oh le boss, t'as mis pouce bleu. Ouais. Ah bah faut faire pareil les gars. Carré. Ouais, bah mettez un gros pouce bleu pour celui-là. Hein. Un gros gros. Et regardez bien les pubs. Je vais prendre ça, c'est ce que j'avais pris la dernière fois mais qui m'ont pas servi. Et que t'as pas eu? Ouais. On va manger que des burgers en journée. Bah, du coup c'est pas une impression, on va manger que des burgers en journée. Et on peut rajouter des steaks et tout les gars. Viens, tu fais le maximum. Non, ça y est. 18 steaks. Oh, 40 euros. Timout, il serait capable pour jouer. C'est vrai? Timout, on peut rajouter des steaks. Viens, tu rajoutes le maximum. Genre le maximum que tu peux. La dernière fois que j'ai dit ça, c'est mal fini. Ah ouais. Ouais. Il avait la chiasse. Ouais. Non. J'ai pas fini. C'est qu'en fait, depuis tout à l'heure, on a tous le seum. Et Pierre, c'est encore le seul qui s'amuse à faire des vannes pourries, pas drôles, et qui garde le smile. Comment ça se fait? Comment il fait? Moi, j'ai le seum. Mais les gars, moi, je vous explique. Moi, j'ai un peu de lui. Voilà, exactement. Les gars, vous savez qu'il a prié pour que l'un de nous reste là pour son vlog. Mais vraiment, les gars, vous savez qu'à chaque fois. Il voulait que Sly reste là. À chaque fois, il disait, tiens, j'espère que Sly, il a le Covid. Comme ça, il reste ici, c'est bien pour le vlog. J'espère que Timout, il aura pas sa carte d'identité. Je voulais que toi, tu restes bloqué, pas nous tous. C'est bien. Ah, voilà. Mais en plus, tu vas vraiment. Tout ça. Non, je vais pas rester bloqué. À cause de toi, on est tous restés. Tout ça, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Ouais, mais c'est pour et les c'est abonnés. Pas vrai, les gars. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'on est une famille, qu'il faut rester et soudés. Et on est tous ensemble. Ouais. Donc, soyons soudés, les gars. On a une galère ensemble. On est soudés. Voilà. Ah, mais tu vas rajouter qu'un steak, gros. Oh, j'ai le Et le triple steak, quand même. Hein. Trop le seum. Quand même, triple steak. Non? Eh hey, mais t'as pas commandé toi? Je mange pas.
C'est sûr. J'ai vraiment pas fait sûr, j'ai mal au ventre. Ouais, je te donnerai des frites. Je pense parce que je stresse. Tu veux des frites tout seul? Non, ça va. J'ai bien l'impression que c'est encore Mich qui ralasse le voyage là, la nourriture et tout. Il ralasse, hein. La nourriture. Il ralasse, hein. Il ralasse. Il ralasse, là, la Mich. Bon, après, à côté de la voiture à 1000 balles, les vols à 1000 balles, le Burger King, c'est bon, ça fait quand même 90 balles. C'est vrai, c'est quand même 90 balles. Ah merde. Alors là, on avait vu notre commande là-haut, et là, il est plus. Mais je crois qu'il y a un mec qui l'a récupéré. Non, on cherche les mecs avec des plateaux. On est où? Non mais par contre la boîte. Nous on a 7-0-7-1. Ah ok, thank you. Ah, on est en train d'être fait. Ouh. Ok. Et pourquoi comme par hasard notre chiffre il disparaît? Je sais pas. C'est pas du one. Toto c'est la valeur sûre. Ah. Ah. Qui a pris des glaces? Bah ouais. Attends, on a wow. Tout là. Il y a quand même burger 1, 2, 3. Mais vas-y, bah si, compte pas là. Attends, c'est quoi ça? Mais on va voir après. Mais c'est des salades, frère. Lui. Eh mec, il manque deux burgers. Mais non, mais ouvre rien. Il ouais. Manque deux burgers, vous cassez sans deux burgers. Il y a que trois burgers, on est 5. Vous voyez, ouais. Pour de vrai, il y a un burger. Ah oui, il manque un plateau. Mais hé, achète. C'est pas. No. Lost two burgers. Maïté. Trois burgers. Je pas mal les Et à chaque fois qu'on va à Burger King, il y a un problème. Hein. 47ème burger du séjour. Let's go. C'est pas genre c'est ton premier burger. Hein. C'est au moins tout 60ème. Ça va, la rien fait la merde. C'était un peu violent pour la salade. Non mais ça. C'était. Mais c'est naturellement. Oh oui. Et les jeunes. Et Estelle est en train de se régaler avec les fruits de cheddar là. Ah oui, il y a un œuf dedans. Deux steaks, hop. Voilà, tu veux un peu de salade, hein? Tu veux un peu de salade, je te donne un peu de steak. Ouais. Voilà. Tu veux des frites? Ouais. Il est bon, c'est avec son doigt qui s'arrête vraiment. Mec, il est énorme. Tu peux voir. Écoute, ça te prend un steak. Et lui, il a de la salade. Il a de la salade, il s'aime. Oh oui, il a une trois steaks. Tu veux voir? Là. Allez, ça part. Mais tu vois, t'as vraiment ses frites. Je ne peux pas dans ma vie. J'adore les crottes de Chimouk, c'est toujours avec ça. Carrément, j'ai cassé la fourchette. T'avais trop les crocs. Hein. Ah, vraiment. Voilà, niveau goût. C'est mandat ou. Ouais, ça bon. Va. C'est pas steak avec trois steaks? Non, ça va. Je pense qu'il est temps de découvrir ton burger, Esteban. Non, là, je pense qu'il est temps de découvrir la boisson. Bon, il a tabassé ses frites. Il les a éclatés. Je vais regarder, normalement on doit bientôt embarquer. Normalement. S'il n'y a pas eu de nouveau retard. Il y a moyen qu'il y ait eu grave un nouveau retard. Hein. Bah, y a pas frère. Ça doit être tout en haut, non? C'est bon, embarquement. Il faut aller partout. L'embarquement il a commencé. Là c'est 15. C'est là-bas. Bah go. C'est combien? C'est là-bas. Porte 10. Et ça a commencé là. Bah go. Jimou, tu as encore envie d'aller c'est chier. C'est ma embarquement. Ouais. On n'a pas vu, mais ouais. Enfin. Enfin. Mec, je suis trop content alors que c'est même pas à Paris qu'on va. Moi, j'ai zéro réaction. Là, je suis trop content alors qu'on va faire 10 heures de route. 2 heures de vol, là? Ouais. Non, même pas. Je crois que c'est une heure. Ok, embarquement. 9, 10, c'est là. C'est là, mon gars. Oh, la queue de baiser. C'est pas grave, si ça nous permet de quitter cette île, moi, je suis d'accord. Alors, on est resté trop longtemps sur cette île. On a kiffé, en soi. Ouais, on mais a là, kiffé. on veut que se barrer. Nous, aux toilettes, avec Estée. Bah, va chier. Ouais. Eh, hey, Timout, va chier, Timout. T'as entendu sourire? Qu'est-ce qui est drôle? Une blague. Oh, toi, t'es recalé, toi. Non. Toi, t'es recalé, tu passes pas, toi. Non. On aimerait bien passer et aller dans l'avion. Ouais. Et attends, elle se bat, hein. Ils sont énervés. Bah, pourquoi ils sont énervés? Parce que tout le monde a attendu 2 heures. Je pense qu'elle passe pas. Du coup, elles sont énervées et du coup, on doit attendre. Ah, en fait, il y a une meuf qui est en train de bloquer tout le monde. Ouais. Non. Et pourquoi elle passe pas? Le point est gâté. Ah, donc, il scanne les QR codes. Normalement, au final, Covid. Heureusement qu'on prend pas l'avion direct à Paris.
Oui, mais viens, on crie. Après, t'aurais fait un test. Ouais, après, j'aurais téléphoné. Attends, mais là, j'ai payé 60 balles de test PCR pour rien. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, au moins, on sait qu'on n'a pas le Covid. Ouais, ouais. Au moins, on sait qu'on l'a pas. En plus, j'ai plus de narines à cause de la surtout à ne pas refaire. Face mask, white. Un masque. Vous avez les masques, s'il vous plaît, messieurs? On n'a pas, non. Buy one. Il fallait en acheter? Mais non, du mec! Ah, j'avais raison. Le masque est obligatoire dans le truc? Il existe? Je pense pas, non. Non. Masque, etc. Attends, obligatoire for the vol. For the vol. Oh, j'ai un masque! Oh, je vous nique! Eh, mais Slack, t'en as plein? T'en as plein? Bah, bien sûr que oui. Juste t'en as. Mec, on s'est fait recaler. Oh, ça, y en a plein! Moi, j'en ai un. Non! Qui c'est qui s'est servi? Non! Ça valide la slide. Allez, moi j'embarque sur vous. Attends, j'en avais plein. Il y a un mec, il a tout pris. Non, mais ils sont tombés dans le sucre. Celui qui a tout pris, c'est lui. Pour le Among Us. Bah oui, mais où? On va en acheter un autre. Un, deux, trois. Il en manque combien? Il en manque deux. Il en manque un. Il en manque que deux. Mais on va demander. You got face mask. Come on. Right. Hop. On peut pas en demander deux. Et on demande. Il nous manque que deux masques. À côté de la porte de ça. Voilà. Bah viens, on va. On demande. Putain, et on a toujours des merdes, c'est un truc de fou. Et on a toujours, même le truc le plus simple, même la plus petite galère, on l'a. Ouais, et là par contre c'est vraiment un acharnement contre nous. Bah viens, on va acheter là. Hein. Pourquoi il y a des vols, ces masques obligatoires, je comprends pas. C'est pour ça que je voyais des gens avec le masque. J'ai pas tilté, moi je me suis dit c'est juste ils veulent être protégés. Faut demander là. Vas-y. Il y en a poteau autour. Demande aux gens, demande à des gens. Tout masque. Quoi? Bah viens, on demande à la caissière là-bas. Ouais, vas-y. C'est moi, je sais pas du tout parler. Hein. You want the mask? Non. Non? Thank you. J'ai rien compris. You have the mask? For two, yes. Mask? Non. For me? Non? Non. Excuse-moi. Mais ceux, là-bas. Ceux qui travaillent, ils en ont forcément. Vous demandez? Non, hola. Excuse me, buy the mask, please. Yes, yes. How many? Two masks, please. Yes, 380, please. Oui. Oui, yes. Sandra, yes, tu ora. Ça ira pour ce qu'on a fait. Bye bye. Bye, mec. Embarquement 10, on est au 12. Oh, frère. Eh hey, mais j'ai l'impression qu'on était en vidéo, il fallait absolument trouver des masques, tu vois, genre quand t'as des petits défis comme ça. Imagine tu rates l'avion pour ça. Je vais répéter un câble. Imagine tu rates l'avion pour un masque. En plus on lui demande genre, elle nous montre un truc en espagnol en mode écrit genre obligatoire masque, mais on sait pas parler espagnol nous. Non attends, les galères du monde c'est improbable. Oh frère. Mais vraiment, c'était chaud cette fois-ci. Mec, si on allait louper celui-là. Viens. Viens les prendre. Vas-y, t'es mis. Fais genre, on peut pas monter, genre. Dis là, on a pas de masque. Mais viens le parler. Hein. Pas. Allô? Allô? Ouais. On peut pas monter de l'appartement. Genre là, on est bloqué du coup. Bah mec, non, vraiment, pour le coup, c'est sérieux. On a pas trouvé de masque. On a pas trouvé de masque, ils veulent pas nous en. Et même, on a demandé à masse de personnes, ils en avaient rien à foutre, genre, vraiment. C'est abusé. Vraiment là, non, justement, on n'a pas trouvé de masque. Les mecs, on a demandé. Non, on a même demandé au serveur et tout. Et le mec, il nous a même pas prêté, frère. Il nous a même pas calculé. Genre, même les mecs, ils avaient pas de vol. S'ils avaient deux masques, ils s'en foutaient, genre. Ah putain, les bâtards. Ouais, c'est chaud. Du coup, je sais pas comment on fait là. Mets le téléphone là, comme. Hein? Attendez. Là, ils sont restés. Miss, il a fait coucou, il nous a vu, il a dit oh les bâtards. On a dit un tir, c'est pour la haine. Bien joué le prank, hein. Bien joué le prank. En vrai c'était chaud de ouf, hein. J'ai vraiment hésité à... On est vraiment les derniers à avoir embarqué. Eh bon, on serait pas là, ça serait la même, hein. Bah pas vraiment. Les couilles. Regarde, ils font des sauts. Regarde, ils nous calculent même pas. Bilbao, on va à Bilbao. Bilbao. Vous êtes déjà avec vos écouteurs isolés du monde. On serait pas là, ce serait la même.
Mec, je te retrouvais dans une galère de ouf juste pour deux petits masques. C'est n'importe quoi. En vrai, j'en ai tout le temps en plus sur moi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et lui, déjà, il était déjà stressé parce qu'il sait la merde que ça va être juste après ces trois avions et tout. Et ouais, frère. Et ça nous arrive à nous deux. Oh, attention, Timoun. Il y a rien. Ça va, Timoun? Les gars, on va décoller. Hein. Mais attends, on a pas encore décollé. Attends, mais bon. Je rigole, il a le braquemar jusqu'au ciel. Ça va toujours, Timoun? J'ai bon de ouf là. When the seatbelt sign is switched off, frère, il a dit when opening the overhead lockers. Il est déçu en mode. Ça y est. La nuit, ça doit être incroyable. Ça y est, les gars. Adieu Ibiza, c'est fini. Bye bye Ibiza. Gracias. Alors, le vol a été agréable, monsieur? Yeah. Le vol a été agréable? J'ai bien dormi. On a tous dormi. Le suspense des valises. Est-ce que tout le monde va avoir sa valise? Eh, franchement, flemme de perdre une valise là. Mec, le jeu de la grosse flemme d'attendre. C'est clair. Limite, ouais, ça devient un jeu de la valise. Mec, le jeu de la valise, ça fait un mois qu'on l'a fait. Timoun, tu vas avoir ta valise? J'espère. Hein. Toi, t'es éclaté, hein. Ça va bien dormi. Hein. J'espère que j'allais en premier comme ça. Oh non! J'ai ma valise. Oh, ils l'ont. C'est moi qui conduis. Il a encore plus d'épouvantes. Oh, la valise! Oh, ah ouais, c'est maintenant, j'avais oublié. Let's go! C'est vrai qu'ils ont encore plus d'épouvantes. C'est vrai? Maintenant, c'est là. À chaque fois, tu te fais dépouiller ta valise. Il a fait la dalle dans le truc. Il la graille. Toi, t'as ta valise? Let's go! Ça y est, sa valise. Ferme pas parce que je vais venir dehors, je vais te faire casser. Oh, imagine là, ça ferme. Non, ils vont envoyer encore. Oh, ils envoient. Oh! Oh! Comment elle a gueulé? Juste pour ton. Oh! Oh, j'ai la mienne! Bon, là, c'est bon, on peut y aller. C'est bon? C'est bon, on a toutes les valises. Let's go! Mission réussie, les bros! Je crois que c'est le premier miracle du séjour. Et toi, on va t'abandonner? Ouais. Seul. Ça va aller? Ouais. Seul. J'avais pas envie de t'abandonner, Sly. Mais ça me fait plaisir quand même. Tout le long du séjour, t'as voulu m'abandonner. Ok, donc là, on va chercher la voiture. Il est au tel avec. Toi, t'es en dépression, mec. T'es grave en dépression, ça me fait de la peine, par contre. En vrai, ça va aller, Sly. Du coup, il faut qu'on descende pour aller au parking pour récupérer la voiture. Et toi, tu. T'as 9 heures de route, les gars, ça va être chiant. Ok. Ouais. On monte. Toi, tu dors où? Ah, on monte. Dans la ville. À 2 km. Allez, on part. Tu vas vous. Oh, tchao. À tout moment, il y a la meuf. Voilà. Casser les couilles. Attitude. Heureusement, il n'y a personne. Bon, peut-être que la réservation s'est bien faite. Voilà. Voilà. Oui, monsieur-là, il reste ici. Malheureusement. Ouais. Il reste ici. Ouais, c'est trop bien. Il reste ici. Bah, là-bas. Hein. Hein? Oh, moi je dors, en vrai. En vrai, tu peux, il y a des gens qui dorment. Tu viens me pendre? Non? Non. Non? Non. Ok. Oh, mais dis non. Il est au bout de sa vie, ah ouais? Il est aussi crevé que nous. Mais lui, il sait que son calvaire, il est pas encore fini. Bon, nous, on a les 9 heures de route quand même. Le calvaire, il est pas fini. Surtout qu'on passe vers Bordeaux, qui est en feu en ce moment. Quoi? Bordeaux, ça brûle de partout. C'est parce que vous avez dit tout à l'heure. C'est qui a dit que Bordeaux, ça brûlait de partout? Moi. C'est vrai? Oui, ma mère m'a dit ça. Mais ouais, mais en ce moment, c'est la merde de partout. En somme, hein. Oh, oui. Genre à 15 minutes de chez moi, il y a eu des feux. Allez, vamos, on a les clés. Vamos! C'était là juste pour nous. Ouais. Donc là, on va ramener une voiture d'Espagne en France. Oh, j'avoue. C'est canon. C'est trop bien, les gars. Elle était grave cool. Ouais. Bah, elle a pris son temps pour expliquer. Tout bien expliqué, tout ça. Ouais. Toi, tu vas faire comment du coup? Ça va être trop bien, les gars, 9h30 de voiture quand même, non? Et après, on arrive à la maison. Ça va être trop bien de rester en Espagne. Hein. Quoi, hein? Non, mais là, on va prendre la voiture, on va
À Paris hein? Ouais, mais avec 5 places, mon rêve. Non, 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 non. 37, 38, 39. T'as pris une Renault? Yeah, j'ai pris la voiture. Mais non, elle est là, c'est une 39. Non, c'est celle-là. C'est quoi? C'est un Merco. Non, mais on a même pas une Seat, on a ça. C'est ça, Léon? Bah. Attendez, mais vous avez pris une Seat Léon? Bah oui, on avait pris une Seat. Chef, c'est pas une Seat. Mais tu viens de payer là ou t'avais déjà payé? J'avais déjà payé. Bah attends, mais en plus, elle est immatriculée Italie. Oh, ça c'est Attendez, mais c'est une voiture qui voyage. Les gars, il y a un énorme problème là. Mais c'est moins bien qu'une Seat. Oh, derrière, c'est. Bah, c'est. Là, c'est une française. Le coffre, il a l'air petit de ouf. Ah, ça va encore. Ça va. Ouais, mets ta valise et c'est faisable. La vie qui a tout qui passe. Et t'as vu, ils ont fait comme ça. Il y a tout qui passe. Allez. Je te jure. Il y a tout qui passe. Mais pas ça maintenant. La France dès le réveil. Un conseil, mais pas ça maintenant. Vas-y, faut mettre la plus grosse direct. Non. Pas forcément. Ah si. Voilà mon ref. C'est tout le temps. Mais si, les gars, ça va passer. Il y a plus de place. Non, je te jure, ça va passer large. Allez, le Tetris, tiens. C'est celle de Pierre, la plus petite d'après. Je te donne. Ah, mais faut passer les plus grosses. Sinon, on va les. Il est parti, Sly. Ah non, t'es là. Eh, je croyais que t'étais parti. T'es au bout de ta vie. T'es au bout de ta vie. T'es au bout de ta vie. Moi, je rigole. Je suis un bâtard. Ça se fait trop pas. Ça se fait pas. Non, mais ça va aller ou pas? En vrai. Ouais, je pense. Si je trouve un pont, je peux sauter vite fait. Je pense que ça va. La mort sera rapide. Hein. Non, mais tu sais parler espagnol? Si. Un potico. Une tic. Courage. Passez une bonne soirée, les gars. On te laisse vraiment là, genre. En vrai, grosse force à Sly qui reste en Espagne. Tetris de fou. T'inquiète. L'avoir mis debout, c'est vraiment. Non, mais là, d'autres chances comme ça, on pourra forcer sur le coup. Ils sont fous, sa valise est déjà arrachée. C'est hyper du mental. Malade. Et les gars, je me mets où, moi? Et le sac? Bah toi, t'as... Mais toi, tu vas dire... Comment c'est? T'as un Uber? T'as trouvé un Uber? Non, c'est bon, je crois. Et toi, je vois pas comment tu t'as mis. Tu veux le mettre où? Il a trouvé un Uber, je crois. Ah ouais? Non, c'est bon, je crois. Parce que déjà, là, la meuf, elle va surveiller. Et surtout, t'as une valise, un sac, et toi... Et toi? Cette voiture. Ah, les gars, je vais me casser, hein. Je crois que je vais dormir à l'aéroport. Hein. Mais t'as pris ton hôtel déjà? Ouais. Bah voilà. Mais si j'ai pas d'Uber parce que c'est pas sûr. Ouais. Je peux pas aller à pied à mon hôtel. Pourquoi? J'ai regardé, c'est impossible. Ah oh ouais? Ouais, genre il y a une autre espèce d'autoroute en fait. Bah, et tu veux passer avec sur l'autoroute? C'est dangereux ça. C'est interdit de marcher sur l'autoroute, c'est super dangereux les gars, ne faites jamais ça. Attends, c'est quoi ça? Et y a pas un centimètre de perdu. Oh! Vamos, Roder! Bon, il reste quand même encore une valise. Ouais, bah de toute façon, on peut rien faire d'autre. C'est à moi. Et moi, il reste un sac. Et bah, tu la prends sur tes genoux. Bah, ouais, mais je conduis. Oh merde. Non, mais le passager, hein, les gars. Et il reste aussi un sac à dos. Ah oui, le passager. Et moi aussi, et deux sacs à dos. Ouais, c'est le passager. Les gars. Et à moi, les gars. Et en plus, il a un sac à dos. Toi, mon ref, je suis désolé, hein, mais tu vas devoir te débrouiller. Une photo quand je serai dans mon lit. Voilà, on te lâche là le boss. Vas-y, Zoubi. Moi, c'est des vacances de fou, frère. C'était incroyable, merci, Mich, t'es boss. Les gars. Rentrez bien, faites attention sur la route. Okay. Hein. Vraiment. Non, mais toi, fais attention à toi. C'est toi qui es tout seul à l'Espagne, hein. C'est pas nous. En vrai, on a combien de bornes là? On a combien de kilomètres? 1200? Wesh! Ça peut être filmé, genre on se dit au revoir là. Oh, t'as les privés, c'est où là? Bon, les gars, rentrez bien, faites attention. Attends, j'ai juste une question. Tu sais pas où tu vas? Pas du tout. Bisous. Bisous. En vrai, ça me fait chier de le laisser tout seul. Mais je sais qu'il sait se démerder. C'est pour ça qu'à la limite, tu vois. Ouais, mais il sait se démerder et puis. Ouais, il sait se démerder. Bon, et bah c'est parti. Hein. Zéro, t'es mort. On est qui part. T'es bien? En vrai, ça va. Mais Kev, moi c'est bon, t'inquiète pas. La petite. Ouais, ok. Je vais te mettre à l'aise, mets-toi à l'aise. Ok. Oh! Oh là, je suis bien! Oh, mais tu viens! En plus, t'as mis tôt! Le gars, il est petit comme moi, du coup, il est obligé de se mettre grave. Non, c'est bon, t'inquiète. J'ai pas bandé pendant l'avion. Oh! Voilà, je le dis. Pauvre petit! Ah ouais, vous êtes déçus, hein? Ouais. Un peu.
Et du coup, t'auras pas ton titre. Allez, c'est là, parti. Et les gars, est-ce que vous vous rappelez que la méduse c'était ce matin? Ah ouais. Wow, non, mais la journée elle était trop longue. Ah, journée la plus longue. Mais en même temps, il y a deux jours. On est sorti à 10h et on s'est levé à 8h. Tu m'étonnes que. C'est là que tu te dis le Picasso n'était pas si mal. Hein. Tout qu'il est mis. On est épuisé, on rigole pour rien. Bon, là, on va à Poitiers déposer Timoud pour son train. Et après, j'ai 7 heures de train. Bah, nous, on a 8 heures de route. Bah, en soi, on est dans la même galère. On a tous, on a tous trop de la route. Je crois que j'ai 3 heures de train et au total, je dois attendre 3 heures et demie, un truc comme ça, tout seul. En vrai, les gars, mon train, il est à 8h20. Donc en vrai, vous pouvez prendre un peu votre temps aussi. Hein. Si vous voulez faire des pauses, que vous êtes fatigué, n'hésitez pas. Hein. Ok, on va se relier, on va pas perdre de temps. Parce qu'on veut être au plus rapidement dans notre lit en fait. T'as pas oui, compris. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Encore 2 heures de train, nous, pour rentrer à Albert. Ah, c'est vrai. Là, on va arriver à Poitiers bientôt, les gars. Poitiers, c'est là-bas où on va déposer Timoud. 107 km. On dépose Timoud et il prend un train pour aller directement chez lui. Ça, c'est carré. J'ai bien l'impression que c'est l'heure de te lâcher, toi. C'est l'heure, je m'en vais. Salut les gars. On va te lâcher, mon gars. Et une blague, je pars tout de suite. Oh, le fils de flûte. Ah non, il est dans le parking, t'es encore à la gare. Ouais, mais regarde où elle est sa valise. Poitiers. Poitiers. Ça va moins durer que Ibiza. Ouais, grave. J'ai rien que le nom de la ville, Poitiers. Poitiers. Poitiers, ouais. Bon, il y a un petit problème, c'est que pour l'instant. Son train il est pas affiché. Mais ouais, à mon avis c'est parce qu'il est trop tôt, mais le problème c'est que on va au pôle information, on demande et voilà. Ouais, voilà, faut faire ça pour être sûr quand même. C'est combien toi? 8h20. C'est où la destination finale de ton train? Moi c'est Lorient. 24-32. Ouais, si c'est lui, c'est Paris Montparnasse. Ah ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est son train? Ouais. Son train, il est là, frérot. Son train, il est à l'heure, mon gars. En fait, tu vas à destination Paris, après tu changes de train, tu vas à destination Bretagne. Ouais, je sais. Putain, la galère. Et c'est que des détours. Frère. Et par contre, venez, on prend à boire, j'ai trop soif. Et on va aux toilettes aussi. Et on va aux toilettes. Et on va aux toilettes aussi. Et après, on abandonne Timoud. Et après, on m'abandonne aussi. Moi, j'ai hâte d'abandonner Timoud. C'est pour le vlog. C'est pour le vlog, on a vraiment un petit mood. Du contenu. Du contenu pour mon vlog. Une cafette à la cafette. Ton train il est en retard 5 minutes. La galère commence. Hein. Et c'est pas fini. Il n'y a pas eu un trajet qui s'est bien passé. Oui, bon, il n'y a pas eu un seul. Si ça reste à 5 minutes de retard, oui, ça va. 5 minutes. Mais si là, ça commence à devenir 1h, 2h, 6 jours, on flemme. On va aller prendre un café pour se retarder. Oui, on va aller prendre un café pour Allez, se retarder. Allez, c'est parti. Hein. Mood. Tu veux un souvenir de Poitiers? Un beau mug. Franchement, ça me rappellera que des mauvais souvenirs. Tu veux pas un mug de Poitiers? Poitiers, je veux plus venir ici. Miskin, t'as peut-être des abonnés à Poitiers. Pardon? On a rien contre les gars, si vous êtes de Poitiers, on a rien contre Poitiers. Mais à la base, on aurait dû arriver à Paris hier soir, bien dormir et là se réveiller tranquille. Là, normalement, là, on serait même pas en train de se réveiller. À la base, on devait faire 2 heures d'avion Ibiza-Paris et on était tranquille. On s'est retrouvé. Au lieu de ça, on a fait 2 heures d'avion dans le vide et après, genre 10 heures de voiture. Faire... Ouais, 10 heures de voiture, presque. On va faire 10 heures de voiture. Avec un détour à Poitiers pour lui, là. Non. Sinon, c'est pas un détour parce que c'est sur la route. Timoud. Bon, on se recapte, hein. Ouais, un voyage catastrophique. Non, on revient, fais attention avec. Attends, tiens ça 2 secondes. T'es mis détour. Merci. C'était vraiment un prince. Hein. C'est la technique. Vraiment. Vas-y, et bah ton train, je pense qu'il arrive donc. Ouais. Vas-y, hein, taille. Vas-y, zoom. Vas-y, le boss. Allez, ciao. Non, là, c'est la sortie. C'est la sortie c'est de la gare. Le train. C'est là-bas. Il va se perdre. Non, mais en fait, c'est la montagne. Tu l'as trouvé la bombe. Vas-y, Timoud, bye. Et voilà, un deuxième membre de la villa qui a disparu. Aïe aïe aïe. À la fin, il va vraiment. À la fin, il ne restera qu'un. Ah ouais. Et après nous, on va rentrer. Et on va se séparer. Il restera que moi pour l'outro. Donc là, il nous reste 3 heures et 329 km pour arriver à Orly. Clairement. Oh, mais moi je pensais qu'il est presque arrivé en vrai. Et pourquoi tout à l'heure vous disiez 6h? j'avais demandé après Poitiers, vous avez dit 6h. La tête de Wam, vous avez dit 6h. Bah, c'était pour troller. Bah regarde, au moins t'es content là. Content. T'as gagné 3h, frère.
On dit merci qui? Merci Mig. Bon, on a déposé Timoth. Là, on s'est encore arrêté dans une station. J'ai conduit 30 minutes, mais trop crevé pour continuer. Du coup, c'est Matkev qui va prendre le relais. Parti chercher un kawa. Et on continue. Il dort toujours. Tout le temps en train de dormir, la bouche ouverte. Ah la bonne. T'étais comme ça. Hein. Ah ouais. Ça va le faire? Yes. Ok, carré. Du coup, il nous reste encore 286 bornes. On arrive à 11h10. Bon les gars, moi du coup, j'ai trouvé un hôtel. Du coup, j'ai très peu dormi à cause du stress. Je suis en retard pour mon vol. Je crois que je vais me pendre. Hein. Vas-y, je me casse. Je prends mon avion. Mais en plus, là, je vais à Madrid. J'habite à Nice. Rien à voir. Je vais voir la Casa de Papel. On met le plan dans la voiture et c'est finito pepito les galéros. Ça y est, retour des véhicules. Ça y est, ça y est. On est arrivé. Enfin. On est à l'aéroport. Ouais. J'ai jamais été aussi content d'être à Orly. Parce que d'habitude c'est le bordel quand on vient à Orly. J'ai jamais mais été là, aussi trop content de rentrer de vacances. Ouais, non mais par contre c'était des vacances incroyables, ouais, on est d'accord. Ouais, là. Rejoins à 100%. Là, ouais. Tu me rejoins à 100%. Là, ouais. Fin de vacances un peu hardcore. Et quand même, fin de vacances, hardcore de ouf. Les vacances en soi se sont très bien passées, c'était incroyable. C'est juste les trajets, frère. C'est les trajets. Ouais, ça, c'est les trajets, avion, voiture, tout. Ouais, ouais, tous c'était les un carnage, un bordel. Je suis content que en vrai, les vacances étaient incroyables. On là, aura tous les vlogs qu'on pourra remater pour s'en souvenir. C'est vrai. On gardera que des bons souvenirs. Moi, je pense en rentrant, malgré toutes les galères. De quoi? En vrai, je pense que je vais mater tous les vlogs aussi. Mais ouais, si, en tout cas c'était incroyable. Merci le Mich pour merci ça. Le M. C'est grâce à toi mon frère. Hein. Moi toi qui as organisé. Merci Mich. Merci à vous. Hein, moi, non. Les gars, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo et tous les autres vlogs. Et merci pour cette aventure. J'espère que vous avez kiffé la suivre. Sur ce, ça y est. À plus. Hein. C'est les bisous. C'est la fin, c'est les bisous, c'est les bye bye. C'est des bisous. On dit au revoir à tout le monde. Salut tout le monde. Bisous les gars. Ciao. Bisous. On se revoit bientôt sur la chaîne de PeeWare évidemment. Bah oui. Suivez les aventures. Un Among Us. Un Among Us qui sort. Ça sera pour cette vidéo. Voilà, c'est dit. Et il n'y aura pas que ça. Il n'y aura pas que ça. Une vidéo par semaine. Ciao. Trop content d'être à Paris.